le langage, la langue de chaque enfant, langue maternelle de chaque enfant, est enracinée dans le corps. On a les formules, les prosodies de la langue sont vraiment complètement intégrées. Et il est donc tout à fait intéressant et fondamental de pouvoir, pour des enfants jeunes, très, très jeunes même, conter, c'est-à-dire raconter des histoires à l'oral sans qu'elles soient pour autant une lecture. Donc avoir la spontanéité du comptage qui peut soit avoir vraiment toute la diversité avec l'enseignant, un conteur professionnel ou des parents qui viennent compter, qui donc restituent toute cette richesse de la parole, qui sont vraiment les porte-paroles d'une culture qu'ils passent à des enfants qui renforcent leur compétence d'écoute, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de livre entre le conteur et l'écouteur d'histoire, les enfants qui sont là pour écouter. Et les supports de Fabulala, donc les personnes qui symbolisent les personnages et les espaces pour le déroulement de l'histoire, permettent d'avoir un repère fixe qui permet de passer de l'un à l'autre des modes de comptage ou de lecture, et jusqu'à la lecture pour garder en mémoire, pour structurer une permanence des personnages et organiser le déroulé de l'histoire.